Balterne de Patrice Bloin. Une jeune femme était assise par terre, a choisi le roi. Seul mot d'identité que son amnésie lui permit de dire, modèle. Félix Fénéon. Chapitre 1, A Splendid Way of Life. Un village. Balterne, population 135 habitants, situation helvétique, comté du Grand Bünden. Telles étaient les indications liminaires que l'on trouvait dans l'édition 1960 du Guide Bleu Europe, la dernière à consacrer un mince encadré au village. Il était aussi signalé que Balterne avait été réputé, au début des années 50, pour son point de vue sur le lac. Georges Reinhardt, le patron du Café du Lac, a lancé un ultimatum durant le conseil municipal. Soit Hans Detlev, le maire de la ville, se présente en personne lors de la prochaine réunion, prévue dans un mois, soit lui, Georges Reinhardt, se fait fort de le destituer de ses fonctions et d'ouvrir une enquête sur le fait même de son existence. Il y a en effet une décennie que personne n'a vu le maire en public, et selon la plupart des estimations, son âge excéderait aujourd'hui les 60 ans. Avec plus de 100 films à son actif, ayant ainsi exercé ses talents à travers plusieurs siècles, et au milieu des circonstances les plus variées, sur un bateau pirate, pendant la guerre de sécession, au milieu de troupeaux itinérants, et une fois même au service de l'empereur, ce dernier avait acquis une sorte d'œil absolu que seul, peut-être, certains marabouts africains avaient dû atteindre par d'autres voies. Avec une modestie qui lui était personnelle, Henri Giraud en rendait grâce, surtout à la performance de ses partenaires et à la qualité des scénarios. Depuis l'événement du conseil, Haydn arrivait plus tôt qu'à son habitude. Il n'aurait su expliquer pourquoi, mais l'ultimatum de Reinhardt l'avait plongé dans un trouble nouveau. Il lui semblait que par ce coup d'éclat, ce n'était pas seulement la gestion du village, mais la régulation entière de sa vie qui était ébranlée. C'est la librairie Le Divan nous a demandé donc de lire cette œuvre en intégralité. Donc c'est un bon exercice pour les comédiens, élèves, parce que c'est un contexte un peu particulier, dans une librairie, avec des gens qui sont là pour acheter des livres, et éventuellement aussi nous écouter. Et puis ça permet aussi aux comédiens de découvrir une œuvre, ce qui est bien. Et puis le travail de lecture est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas du tout un jeu dans un théâtre. On est avec un livre, on doit en même temps être à l'intérieur, dedans, et puis on reste en lecture. Je me suis longtemps moqué de la construction amoureuse. L'une ou l'autre disait: on construit quoi ensemble, toi et moi? Et je répondais: un trois pièces cuisine. Ou: désolé, j'ai oublié ma truelle. Cela me permettait de balayer en une phrase toute perspective d'avenir. Mais vous allez voir l'étendue de ma bêtise. Il m'est apparu récemment que je ne cessais moi-même d'employer ce terme quand je voulais parler de l'art si exigeant de l'écriture théâtrale. Si je n'avais que mon cas en tête, comme le prétendent certains, je me contenterai de parler de la réparation du téléphérique, que la mairie nous promet toujours depuis 3 ans. Mais il y a bien longtemps que les problèmes de la commune ne concernent plus seulement les relations entre le bas et le haut Balterne. Mais comment cela pourrait-il être le cas? Avec un maire absent, ayant purement et simplement abandonné son poste, en laissant la gestion des affaires courantes à sa sœur, qui, je le rappelle, est contrairement à tout règlement administratif, ne bénéficie d'aucun mandat officiel pour accomplir ses tâches. Dès que j'arrive sur la grande rue, je m'arrête pour reprendre mon souffle. Parfois, durant l'hiver, j'entends au loin le coq des Curtis. Et parfois aussi, quand je suis en avance, je croise la camionnette du livreur qui repart vers Ilance. Ruth, et vos projets d'écriture? Bob,
Mes projets d'écriture ? Ruth, vous avez bien commencé une nouvelle pièce. Bob, mais je ne voudrais pas vous confondre, ma chère Ruth, avec un membre de la presse littéraire. Ruth, Bob Gentry, si vous êtes d'humeur ironique, nous pouvons aussi bien annuler la séance. Bob, oui, oui, j'ai commencé quelque chose. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and make a brand new start of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. Paterne, c'est l'histoire d'un village suisse. Mes chers concitoyens et chères concitoyennes. Imaginaire, enfin, quand il n'existe pas, où des acteurs auraient décidé de s'installer à un moment de la ruine des studios pour faire de la vie ce qu'ils faisaient avant. Plus lointain encore que l'Empire romain. Ça renvoie à l'idée de. Ne croyez-vous pas qu'une génération. D'une période entière, de cinéma où les acteurs avaient des emplois un peu fixes. Serait prête à débourser une somme conséquente pour retrouver dans le réel ce qu'elle a tant aimé. Et donc là, l'idée, c'est qu'au moment où les studios sont ruinés. Et qu'une autre plus jeune accompagnerait volontiers ses aînés à la découverte. Et de ce qui leur en est peut-être de plus près. Une communauté. Et le songez livre à la commence qui se presse après, dans les ruines de Pompéi, au moment où la communauté est en train alors que Nelly attend d'un ensemble figé de cadavres, là où nous pourrions donc, lui offrir une début série des années 80. Toujours variée. Mais du coup, ce n'est qu'en raison des impératifs économiques tous nommés et de la crise actuelle de gouvernement très jeune, qui en aggrave chaque jour les effets. Ça donne un côté à tous ceux qui, comme moi, pensent que le temps de l'immobilisme est révolu, super. Je donne rendez-vous sans s'arrêter. Si tu te tenais à côté de moi, charmant, un carnet discrètement posé sur tes genoux, parce que des livres, un observateur étranger pourrait croire que nous sommes en train d'organiser de faire le braquage que ça tienne de la sur la page. Située juste en face. Mais c'est vraiment. Tu noterais qu'à midi et demi, très mignon, Eugène Bordet ferme les portes de son établissement ça, et il traverse la place, un pas mesuré, pour s'installer quelqu'un très jeune avec un énorme Stetson, c'est vraiment super.